Salut à tous, c'est Kida, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dimanche 2 mai pour un nouveau challenge rénovation. Et cette fois-ci, il va y avoir beaucoup de temps pour le réaliser. Vous aurez jusqu'au 2 juin 23h59 pour réaliser cette rénovation. J'avais vraiment envie de vous laisser du temps parce que c'est vrai que la dernière fois, le challenge concours s'était déroulé sur à peu près 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est un laps de temps assez court quand on regarde. Donc là, voilà, j'avais envie de vous laisser du temps et je pense qu'un mois, c'est plutôt pas mal parce qu'on a tous beaucoup de choses à faire et donc on n'a pas forcément tous le temps de jouer tous les jours. Il n'y aura vraiment pas beaucoup de règles pour ce challenge. Il faudra juste rénover cette maison en ne touchant pas à la coquille. Donc vous devez laisser les balcons, terrasses tels quels. Et bien sûr, vous pouvez changer les escaliers, les poutres, les clôtures. Et vous pouvez également changer les toits, sauf celui qui est en verre tout en haut de la maison. Après, vous pouvez tout à fait changer la forme du toit, lui en donner une autre, tout en gardant le nombre de carreaux qui sert pour ce toit-là. J'espère que ça, c'est clair. Du coup, c'est la seule règle, ne pas toucher à la coquille et laisser la petite parcelle de toit en verre. Pour tout le reste, vous êtes libre. Donc ce terrain se trouve à Windenburg, c'est la résidence rustique, c'est un terrain 30 x 20, mais si vous avez envie de mettre ce terrain dans une autre map, du moment qu'il fait 30 x 20, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas obligé de faire une maison résidentielle, vous pouvez me faire un restaurant, vous pouvez me faire une boutique de fleurs, un fleuriste, vous pouvez me faire un café, un magasin de vêtements, peu importe. Vraiment, vous êtes libre, il n'y a pas de limite de budget. J'ai également tous les packs, kits et extensions, du coup les add-ons, sauf les deux mini kits qui sont sortis, look rétro et le truc avec les aspirateurs où il y a les tout petits lapins de poussière trop mignons. Donc voilà, j'espère que ce petit challenge rénovation va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de voir vos participations. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.